Les aliments indispensables, obligatoires, qu'il faut absolument avoir, on va dire quoi, tous les repas? Végétaux. Les Les végétaux, alors que végétaux. ce soit la céréale en petite quantité, ou que ce soit les légumes, les végétaux, ou même les fruits, comme la tomate, n'oublions pas que c'est un fruit, mais aussi les cucurbitacées, comme les potirons, les courges. Là, au mois de septembre, on arrive à la saison, il va falloir commencer à en consommer, on va les voir apparaître de plus en plus dans les commerces, et c'est très bon à la santé, ça fortifie énormément l'énergie et un organisme pour tout l'hiver. Donc les végétaux, et puis voilà, ça c'est les deux indispensables, et puis après des petites quantités de produits animaux, de viande, à condition que ce soit bio. Alors ça, je précise aussi. Oui, alors Voilà, alors le le bio n'est bio. pas une mode. Le bio est une Non. réalité. Les dernières recherches scientifiques qui viennent vraiment encore de paraître, des recherches très sérieuses faites en France d'ailleurs, ont vraiment prouvé que si on prend un légume bio cultivé en pleine terre, de manière naturelle, etc., et les légumes qu'on a en grande surface qui sont cultivés hors sol, en fait, où on injecte directement des magnésiums, des calciums, enfin des nutriments. On fait après l'analyse nutritionnelle et en fait, on se rend compte que le légume hors sol, non bio, etc., il est 3 fois plus pauvre en nutriments essentiels à la santé que le légume bio cultivé dans la terre. Donc, si on mange que des légumes de grande surface non bio, on finit par, on croit faire bien finalement, et on, ah, moi je mange plein de légumes tous les jours et tout, super, mais on va être 3 fois moins nourri. 3 fois plus dénutri que quelqu'un qui va manger des bons légumes bio. Le bio n'est peut-être pas encore parfait, mais c'est toujours mieux que le pire. Ça, c'est certain. Oui. Oui, parce que il y avait une étude qui avait dit qu'il y avait moins de nutriments dans une pomme aujourd'hui qu'une pomme il y a 100 ans. Alors moi, quand j'en ai parlé, on m'a dit, ouais, mais on faisait des études il y a 100 ans là-dessus. Comment ils savent? Elle est pas bête la question Oui, je pense. finalement. Alors après, je pense que l'affirmation de la personne qui a dit que la pomme de 100 ans, peut-être qu'elle voulait parler en disant 100 ans de il y a longtemps, en fait. Je sais que en médecine chinoise, en Chine, souvent, ils disent ça, 100 ans pour dire, ouais, ça fait longtemps. Mais c'est pas faux, hein, c'est pas faux. Actuellement, nos sols sont pauvres. Tous les pesticides et les engrais chimiques et les manières de cultiver hors sol, etc., appauvrissent énormément nos végétaux. Et c'est vrai qu'il faut mieux favoriser le bio. Et en plus, sans compter que le bio respecte la nature, c'est écologique. Et c'est vraiment dans cette voie qu'il faut s'engager. Ouais.